et ça doit se remettre en forme quand on le caresse convenablement. Quand ils sont poils courts, la texture doit être pelucheuse. On doit retrouver exactement la même texture sur le poil mi-long, mais avec un poil qui est plus long. Le corps doit être semi-cobi, c'est-à-dire pas trop long et surtout pas trop court. Il est très musclé, avec des pattes pas trop longues, très musclées et très fortes. Un léger creux entre le front et le nez, un nez droit, un museau qui est parfaitement rond. Pour prévaloir notre race et le standard de nos chats. Un joli front, bien marqué, un profil incurvé, un super museau, un très beau menton et de très belles oreilles avec des Lynx tips. Voyez, très très beau mâle, bravo, compliment. Ça nous permet de nous faire connaître et aussi du coup de montrer, de sortir les chats, de montrer la race du Bengale, de la faire connaître au public. Et puis c'est toujours valorisant de savoir que son chat il est apprécié par les juges. Et oh les oreilles, on a tourné les oreilles. Ouais.